Nous sommes bien dans la dernière leçon du lion, le bout de la queue du lion. Le dernier passage, les derniers passages de la queue du lion. Et dans les derniers passages, c'est le sacrement de... du mariage, le sacrement du mariage, le sacrement de la fidélité. La fidélité a deux côtés, la fidélité de Dieu et notre fidélité à nous. Si je suis fidèle à Jésus, fidèle à observer les 10 commandements de Papa mon Dieu donnés à Moïse, je vais vivre une éternité très heureuse dans le ciel avec mon Père et toute la famille des saints, la famille proche, Jésus, Marie, Joseph, et la famille élargie, tous les prophètes, tous les saints, tous ceux qui sont morts avant nous, et tous ceux qui portent le vêtement blanc comme hier, le jeune homme, on rentre au ciel avec une situation nouvelle, un statut nouveau, la jeunesse éternelle. Plus de problèmes psychologiques de marié, pas marié, amour. L'amour est parfait. Comme l'amour de la jeunesse, l'amour des petits-enfants. Celui qui ne devient pas un petit-enfant n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ah, mais pour... finir notre queue, lisons les passages concernant le mariage, concernant la fidélité. Jésus est fidèle à tout le monde. La fidélité, la première personne à Jésus apparaît. Jésus apparaît, il vient nous visiter. Maintenant, c'est la dernière partie. On voit le lion, mais on le voit seulement par la queue, on le tient par la queue. Et la queue a commencé à la crucifixion, ils ont mis Jésus en croix. Le fruit sur le figuier sec, sans racine, pas de racine. Mais le fruit, ils ont mis un fruit dessus, c'est le fruit de la vie. Et Jésus fidèle, il va faire reverdir. La première personne, après que Jésus fut revenu à la vie, après sa résurrection, tout le dimanche matin, il apparut tout d'abord à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé cet esprit mauvais. Pourquoi?
pas mon Dieu envoyé son Fils sur la terre pour enlever le péché du monde? Et la fidélité de Jésus est pour cette personne si populaire de laquelle il avait chassé 7 démons. Marie-Madeleine. La fidélité de Jésus pour son peuple. La fidélité de Jésus à son papa. Il est venu pour enlever les péchés du monde. Il va, la première apparition après la résurrection va être pour le pécheur. Papa a envoyé Jésus pour les pécheurs. Papa a envoyé Jésus pour moi, pour vous. Première apparition, une apparition personnelle, de personne à personne. Et une personne très renommée comme étant une pécheresse. Vous voyez la beauté de Marc, comment Marc traite la situation de mariage. Le mariage, la fidélité, fidélité au programme du papa. Notre mariage à nous, moi je ne suis pas marié, je suis un frère de l'instruction chrétienne. Donc je suis marié avec Dieu, le programme de Dieu. Vous êtes un papa, vous êtes une maman, vous êtes marié au programme du papa et de maman pour les papas et les mamans qui sont avoir des enfants et les et peupler le ciel, les rendre saints, les garder blancs. Pur, purifié du péché. C'est tout normal que la première apparition est une apparition personnelle à un grand pécheur. Un exemple de péché, le plus grand exemple de péché. Apparut tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé 7 esprits mauvais, et elle alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui, les apôtres, les disciples. Elle alla le raconter aux disciples. J'ai vu le Seigneur, comme on voit dans l'évangile de Saint Jean. Ils étaient tristes et ils pleuraient. Mais quand ils entendirent ce qu'elle disait, que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Marc ne fait pas de grande explication, il nous met seulement quelle est la fidélité de Jésus à vous, à moi, à un exemple de grand péché, Marie-Madeleine. Deuxième apparition. Ensuite, Jésus apparut d'une manière différente à 2 d'entre eux. Ceux qui ne voulaient pas croire à Marie-Madeleine, là, 2 d'entre eux ont eu une expérience aussi. C'est qui ceux-là? Dans Saint-Jean, on avait parlé
des deux disciples d'Emmaüs, reconnus à la fraction du pain, ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, l'Eucharistie, quand ils se sont mis à table avec lui. Ensuite, Jésus est apparu d'une manière différente à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. T'es découragé. Ils revinrent et le racontèrent aux autres. Voici comment ça s'est passé. Nous étions là, des joints nous autres. Ils nous parlaient des Écritures. En fin de compte, c'était le soir et puis il fallait manger, il fallait aller se coucher. On leur dit, va-t'en pas plus loin, reste avec nous, c'est intéressant. Le souper à la fraction du pain, le prix le donna. Ceci est mon corps. Aïe, aïe, aïe. Ils le reconnurent. Il faut aller le dire aux apôtres. Ils sont partis, sont retournés dire aux apôtres. Ils revinrent, racontèrent aux autres qui ne les crurent pas non plus. Cours. Mais l'essentiel est là. Première apparition, un à un. Deuxième apparition, à deux. Mais au sujet de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est pour, ceci est mon sang pour la rémission des péchés. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez, buvez-en tous, ceci est pour la rémission des péchés. C'est ça! Première apparition, les péchés, la grande, grande pécheresse. Deuxième apparition, à deux. Au sujet du sacrement où Jésus rentre en nous et nettoie la maison, purifie des péchés. Troisième apparition, Jésus apparaît aux 11 disciples maintenant. 11, pas 12. 12, c'est Judas qui n'était plus là. 11. Enfin, Jésus apparut aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient encore. Image du sacrement d'Eucharistie qui doit être renouvelé de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, jusqu'à la fin des temps. Et donc, dans Saint Jean, maman Marie insiste, Jésus fait quelque chose, ils n'ont plus de vin. Et nous, le vin, prenez buvez-en tous, ceci est mon sang donné pour la rémission des péchés. Extraordinaire. Encore, pendant le repas, pendant qu'ils mangeaient, il leur reprocha de manquer de foi. Il leur reprochait de manquer de foi et d'avoir le cœur si dur qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu. Ceux qui l'avaient vu vivant. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui sera baptisé premier sacrement sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui rejette la rémission des péchés ne veut pas être pardonné, sera condamné. Pas une action, il se condamne lui-même. Il s'en va lui-même à son lieu de repos éternel, de lieu de douleur et de solitude éternelle. Solitude sans amour, sans amour. Un cœur seul, un cœur sans amour, un cœur vide. Et voici les miracles que feront voir ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à la rémission des péchés. Ah, ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Parce qu'ils seront remplis de mon esprit. Ils parleront des langues nouvelles. La glossolalie. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Première apparition pour la grande pécheresse. Deuxième apparition pour le sacrement de l'Eucharistie. Troisième apparition, mais la deuxième apparition, c'est seulement deux personnes. Troisième apparition à tout le groupe, toute la famille d'apôtres. Un, deux, tout le monde, comme dans la rémission des péchés, tel que enseigné. Si quelqu'un a quelque chose contre vous, si vous avez quelque chose contre quelqu'un d'abord rencontré un à un, ensuite prenez-vous un témoin pour être deux. Ensuite, dites-le à tout le monde. C'est ça. Marc, dans son évangile, clair, clair, clair. La rémission des péchés est primordialité, la plus importante chose, la plus grande preuve d'amour, la rémission des péchés, donner sa vie pour la rémission des péchés. Ah, notre Jésus a fini maintenant. Il dit le dernier passage, Jésus retourne auprès de Dieu, son Père. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout. Partout, la bonne nouvelle. Marc, formidable Marc. Le Seigneur travaillait avec eux, avec ses disciples, et montrait que leur prédication était vraie. Vous l'avez bien entendu, là. Le Seigneur
travaillait avec eux et montrait que leur prédication était vraie par les miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnaient quoi? Qui accompagnaient la proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection. Et tout ça, c'est la queue. Le fruit sur l'arbre. J'ai commencé à vous parler de Jean, l'évangile de Jean, alimenté, fortifié, renforcé par la présence de Maman Marie auprès de Jean, la maman de ce Jésus. Le Seigneur m'a donné de prendre le lion. On m'a acheté un beau petit lion pour vous enseigner le lion de Marc. Il nous reste la queue. La queue, je vous disais hier que la queue, Jésus crucifié sur la croix, sur le bois sec, qui est l'espérance de la vie, c'était la croix que les orthodoxes mettaient sur ceux qui étaient malades pour la guérison. Et Jésus travaillait avec les apôtres, travaille avec ses apôtres par les miracles qui s'accomplissent. Les miracles qu'il accomplit. Et je vous parlais que quand l'évêque vient et fait son entrée dans l'église, dans la cathédrale ou bien dans les églises, quand il visite pour la confirmation des gens, il vient confirmer. Il prend ça, il marche, et puis c'est la croix qu'il a dans la main, et cette croix, n'importe partie du haut avec une croix, ou bien avec un grand signe, là, et puis un, deux, trois, grande, longue croix, tu sais, les actes des apôtres. Cette grande, grande croix, c'est l'image des actes des apôtres. Mais la croix elle-même, c'est l'image de l'évangile de Saint Matthieu. Saint Matthieu présente son évangile, le bois de la croix, le figuier desséché. Et après avoir parlé du figuier desséché, le bois, jusqu'à la fin, il met Jésus sur le bois. Il fait comme Marc. La queue de Marc, ils crucifièrent Jésus sur la croix. Et c'est l'image de l'évangile de Saint Matthieu. C'est l'image de l'évangile de Saint Matthieu. L'image de l'évangile de Saint Matthieu. La croix. Et la croix pour nous est très importante parce que c'est aussi, nous sommes tout près maintenant de la semaine pour l'unité des églises dans le monde entier. Pour l'unité des églises dans le monde entier, les chrétiens du monde, nous tenons à une vérité. Le « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de la Vierge Marie, conçu par l'Esprit Saint dans la Vierge Marie. Né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu, descendu aux enfers. Le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Né de la Vierge Marie. Oh. Né de la Vierge Marie, a souffert sur Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit! Voyez-vous les couleurs différentes que j'ai mis là? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint-Marc et l'Église, nous enseignons cette croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église catholique qui est une communion de saints. Je crois en la... Je crois dans la communion des saints, la rémission des péchés. Je crois dans la rémission des péchés. Je crois dans la résurrection de la chair. Et je crois dans la vie éternelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église catholique, communion des saints. Je crois dans la rémission de péchés, je crois dans la résurrection de la chair, la vie éternelle, et en la vie éternelle. Il en reste trois ici. C'est quoi cela? Parce que durant à toutes les messes, les célébrations de la messe, là, nous finissons toujours par trois choses. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le pouvoir et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que Marc disait au jeune homme? Qu'est-ce que Jésus disait au jeune homme? Est-ce que tu connais tes commandements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 commandements. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 commandements. 10 commandements, et c'est l'évangile de Marc. Non, de Matthieu. Matthieu met d'abord le bois, ensuite de ça, il va ajouter, il va prendre Jésus, et il va mettre Jésus dessus. «
les 10 commandements. Je suis ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre. La parole. Ne prends pas ma parole en vain. Observe le dimanche, le jour du Seigneur, en le saint. Au pardon des péchés, c'est quoi, au pardon des péchés? Je l'ai oublié momentanément, là. Donc, c'est en même temps les sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, non, baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, la confirmation. L'Eucharistie, l'extrême onction, l'ordre, le mariage. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, le mariage. Il en reste trois! Les trois qui sont là, les trois sacerdotes qui appartiennent. La royauté, la puissance et la gloire, la possession, le pouvoir. Le pouvoir d'un roi, c'est quoi? Sa parole. Et le 10, la gloire d'un roi. La puissance, la tête, le cœur, les poumons, le ventre, les génitales, les pieds. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, les genoux, les pieds. J'avais passé les genoux, sacrement de l'ordre, et les pieds, sacrement de mariage, et l'honneur, le pouvoir et la puissance pour les siècles des siècles. La possession de toutes les choses, là. Le règne. Les pieds. Le règne, le pouvoir. Le règne, le monde entier. Les possessions. Les mains. Les pieds. Les mains. La bouche, le pouvoir de parler, de donner des ordres, et les yeux, les oreilles, le nez, la vie éternelle. La vie éternelle. La possession, les mains, la bouche et la vision éternelle. Il reviendra dans la gloire pour juger tout le monde. Assis à la droite du Père pour donner, commander. Vous voyez que tout ça, le credo, notre credo, c'est la queue du lion. Et de la queue du lion, nous allons passer maintenant, demain ou les jours suivants, nous allons entrer dans l'évangile de Matthieu. Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu.
Aïe, aïe, aïe. Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle et les miracles vont accompagner si vous êtes fidèle. Un cœur fidèle, un cœur pur, fidèle, rempli de l'Esprit Saint, Dieu va agir par vous et en vous. À demain!